Bonjour les amis et bienvenue encore une fois dans une petite vidéo sympa. Alors aujourd'hui on va parler encore une fois de la marque Bazzus. Je vous ai déjà présenté pas mal de produits de cette marque sur cette chaîne et comme vous avez remarqué, ils font des produits d'excellente qualité. Aujourd'hui on va parler d'un chargeur sans fil qui est le modèle Jelly Wireless Charger, le modèle 15 watts. Alors comme vous savez, la technologie de chargement sans fil ou QI, Qi, ça fait pas longtemps qu'elle a été démocratisée sur le marché et donc on a de plus en plus d'appareils qui supportent la charge sans fil. Dans mon cas, j'ai le Mi 11 Ultra et j'ai également deux paires d'écouteurs sans fil qui est le Mi True Wireless Earphone 2 Pro dont je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Et j'ai aussi une paire de One More Evo. Cette paire d'écouteurs est une vraie tuerie. C'est carrément l'équivalent d'une paire d'écouteurs Sennheiser ou Sony et même mieux je dirais, à un tarif beaucoup plus abordable. Et je vais vous en parler également dans une prochaine vidéo. Revenons donc à notre chargeur sans fil. Je vous cache pas que c'est mon tout premier chargeur sans fil et que je vais découvrir ça avec vous. Comme vous pouvez voir, la boîte elle est presque transparente et on trouve juste un petit support à l'intérieur qui contient le chargeur lui-même. Donc on va sortir le chargeur gentiment, le mettre à côté. On a donc un petit manuel d'utilisation qui est découpé à la forme de la boîte. Normalement, on va trouver toutes les informations nécessaires dans ce manuel d'utilisation. On a également un petit certificat de conformité slash carte de garantie. Et bien sûr, comme d'habitude, les stickers autocollants Bazzus. Et voilà le chargeur lui-même. On a un petit indicateur qui permet de vous aider à bien centrer votre appareil au centre du chargeur. À l'arrière du chargeur, on trouve juste les gravures Bazzus avec les spécifications techniques, etc. On a ici un petit témoin lumineux qui est supposé s'allumer lorsque l'appareil est en marche. Ça, c'est le câble USB du chargeur. Ça a l'air beaucoup plus robuste que les câbles standards. Et ici, j'ai l'impression que le câble n'est pas soudé dans le chargeur. On voit bien qu'il y a un petit connecteur avec l'appellation type C. On va essayer de vérifier ça ensemble. Je vais essayer d'enlever ça. J'espère que je ne vais pas quand même le casser. C'est une sorte de coque de protection en silicone. C'est assez souple. Ça, c'est le corps du chargeur lui-même. Blanc, mat. Et on va essayer d'enlever le câble. Voilà. Donc effectivement, c'est un câble USB type C qui est conçu sur mesure pour le chargeur. On va essayer de le remettre en place. Voilà. C'était pas facile, mais pas difficile non plus. Et on va essayer de remettre tout en place. Et voilà. Donc on va faire le premier test. Je vais mettre le chargeur ici. Donc on va brancher le chargeur sur notre port USB. Déjà le témoin lumineux, il est allumé. Et on va commencer par le smartphone. Et voilà, ça fonctionne. Ça démarre instantanément le chargement. On va tester avec nos paires d'écouteurs sans fil. Donc on a un petit voyant ici qui est supposé s'allumer lorsque le boîtier est en charge. On le pose gentiment. Et voilà, ça s'allume. On va faire la même chose avec le kit One More. Sauf que là, le témoin, il est un peu sur le côté. Donc je vais essayer de faire comme ça, juste pour vous montrer. Pac. Voilà, ça s'allume. Et on voit également que le petit témoin lumineux du chargeur est en train de clignoter. Ça, c'est pour dire qu'il est en train de charger un appareil. Voilà, voilà, c'était ma petite revue du chargeur sans fil Bazzus Jelly Wireless 15 watts. J'espère que ma vidéo vous a été utile. Si éventuellement ce chargeur vous intéresse, je vais vous laisser le lien d'achat direct dans la description de la vidéo. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine vidéo.